Je vous invite à vous lever. Aujourd'hui est comme tous les autres jours, la grâce et la paix, la joie et l'amour, la bienveillance et la fraternité, la chaleur et la bonté vous sont donnés inconditionnellement de la part de Dieu, ce Dieu qui nous relève et nous porte. Cette parole-là, c'est très certainement la plus importante que vous entendrez aujourd'hui. Tout le reste ne sera que rajout parce que cette simple phrase permet à chacun de ressusciter ce matin, de se tenir sur ses jambes, de sourire et de dire « Ah, je suis aimé de Dieu ». Rien de tel pour commencer un dimanche matin, n'est-ce pas ? Rien de tel pour se retrouver enfin tous ensemble dans ce temple pour partager ce temps de culte. Oui, chacun de nous reçoit aujourd'hui l'assurance qu'il est pleinement et inconditionnellement aimé de Dieu. Amen. Quelle joie de nous retrouver tous ensemble. À vrai dire, je suis un peu émue. Ça fait 3 mois que je prêche devant un ordinateur. Et donc, ça fait bizarre. Je suis un peu stressée même, si je rentrais, que c'était la première fois que je me retrouvais face à vous. Alors certes, on est dans un temps encore un peu spécial. Et la configuration de ce temps de culte peut nous perturber un petit peu. Mais vous savez quoi ? Bien que nos bouches et nos nez soient masqués, nos oreilles pour entendre la parole de Dieu et nos yeux pour voir les uns et les autres, eux ne le sont pas. Entendre la parole de Dieu, prier ensemble, se reconnaître tous comme faisant partie les uns des autres, c'est peut-être déjà tout ce dont nous avons besoin. Ce temps de culte sera un peu différent de ce que nous vivons habituellement. Nous ne suivrons pas une liturgie précise, nous n'aurons pas spécialement de spontané, les chants seront projetés, nous devons garder les masques, enfin vous, tout le long du culte, même pour chanter, et moi je resterai derrière mon plexi. Voilà. Mais ça n'enlèvera rien à notre joie d'être ensemble ce matin. Tournons-nous maintenant vers Dieu dans la prière. Seigneur, nos mots sont parfois trop petits pour te dire à quel point nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu édifies en nous, dans nos cœurs et dans nos vies. Même lorsque nous nous éloignons de toi au fil des jours, tu es celui qui nous soutient sans que nous le sachions, celui qui nous pousse sans que nous ne nous en apercevions, celui qui nous fait sourire sans que nous nous en doutions. Celui qui nous fait espérer en un avenir ouvert et rempli de vie. En toi, nous trouvons notre joie de tous les jours. Merci de nous permettre d'entrevoir des gestes de bonté lorsque nous désespérons de l'humanité, de nous montrer un sourire lorsque notre cœur est triste, de nous offrir de la chaleur lorsque la froideur de certains nous choque. Tu nous permets de nous retrouver ensemble en un seul corps avec des membres distincts pour entendre, comprendre et chanter ta parole qui touche nos cœurs. Ton Fils est venu pour nous le rappeler. Il revient dans notre vie tous les jours pour nous relever, pour nous ressusciter avec lui. Amen. Je vous invite à chanter le psaume 81, « Que nos chants joyeux ». Thank you.
Je vous invite à la prière. Notre Dieu, ce matin, c'est tel que nous sommes que nous nous présentons à toi, ni plus ni moins. Même si les mots dits à haute voix ne rejoignent pas tous les cœurs, toi, tu connais ce qui pèse sur chacun de nous dans le quotidien de nos vies. Nous te le demandons ce matin, viens à notre rencontre, pour que ce poids qui peut nous accabler ne soit plus source de mort, mais que tu puisses le transformer en source de vie. Ces derniers temps, Seigneur, nous avons pu être traversés par tant de sentiments contradictoires. La joie de se revoir, mais la peur de l'autre. L'envie de sortir, mais la crainte de ce qu'on peut découvrir. Le besoin de se retrouver en société et en même temps ne pas trop savoir comment se comporter. La volonté de continuer à s'entraider et la peur de mettre l'autre en danger. L'élan pour un monde plus sain et en même temps nos résistances au changement. Bref, Seigneur, nous sommes partagés. Nous te demandons aujourd'hui ton aide, ton soutien pour que nos peurs ne prennent plus le dessus, mais pour que nous puissions continuer à évoluer dans ce monde sereinement. Nous savons que ta parole nous guide vers toujours plus de fraternité, de rencontres, d'espérance, d'amour pour ce monde. Aide-nous à l'entendre pleinement, afin que nos contradictions ne deviennent pas nos nouvelles manières de vivre. En fait, Seigneur, ce que nous te demandons ce matin, c'est de la force, celle que nous donne ton pardon, qu'il nous ressuscite dans la foi, qu'il nous réchauffe dans la vie, qu'il nous donne confiance en l'amour. Amen. Voilà ce que nous pouvons lire dans le livre de Jérémie. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous invite à vous lever. Quelle parole plus vraie que celle-ci pour aujourd'hui ? Oui, Dieu s'est laissé trouver par chacun de nous pour ensuite nous relever, nous ressusciter, nous permettre de nous tenir debout et cela grâce à ce petit mot mais à cette grande puissance qu'est le pardon. Pas un pardon à cause d'une culpabilité, mais un pardon qui nous assure une présence et un amour pour que nos contradictions et nos peurs deviennent des puissances de vie pour ce monde. Et là alors, nous pouvons entendre cette parole de Dieu pour chacun. Je vous donne un avenir et de l'espérance. Ô ma joie et mon espérance, que nous chanterons deux fois. Thank you.
Avant de lire les textes bibliques, je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin encore, nous nous plaçons devant toi, devant ta parole. Que ton esprit vienne rejoindre chacun de nos cœurs ce matin pour que ta parole devienne réellement une parole qui donne du sens à nos vies, une parole qui nous fait agir, qui nous met en action dans ce monde pour que ce monde devienne petit à petit plus encore à l'image de ton amour. Que les mots que nous allons entendre dans la Bible puissent nous animer, nous mettre en mouvement, fortifier nos cœurs, tendre nos mains, nous donner la volonté de transmettre cette joie que tu nous donnes. Merci Seigneur de te rendre présent en chacun de nous ce matin. Amen. Alors, la première lecture que j'ai décidé de prendre... Alors, je n'ai pas pris les textes du jour parce que je me suis rendu compte que le texte du jour, eh ben, je l'avais fait il y a quelques semaines en confinement. Donc, je n'allais pas vous la refaire encore une fois. Donc, j'ai choisi deux textes. Le premier se trouve dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 10, les versets 23-24 et 31-33. Voilà ce qu'il dit. « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. » Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui de l'autre. Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une pierre d'achoppement ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Comme moi aussi, en tout, je veux faire ce qui plaît à chacun, cherchant non pas mon propre intérêt, mais celui de la multitude, afin qu'elle soit sauvée. Je vous propose de rester assis pour Écoute Israël en français et en hébreu. C'est le chapitre 3 du livre de Jonas. C'est 10 versets, le chapitre 3. Voici ce qu'il dit. La parole du Seigneur parvint à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. Alors Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une grande ville devant Dieu. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour.
Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il proclamait « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent d'un sac, depuis le plus grand jusqu'au plus petit d'entre eux. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier dans Ninive, par décision du roi et de ses grands, que les humains et les bêtes, le gros bétail et le petit bétail, ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les humains et les bêtes soient couverts d'un sac, qu'ils invoquent Dieu avec force et que chacun revienne de sa voie mauvaise et de la violence de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, s'il ne renoncera pas, s'il ne reviendra pas de sa colère ardente pour que nous ne disparaissions pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur voie mauvaise. Alors Dieu renonça au mal qu'il avait parlé de leur faire. Il ne le fit pas. Seigneur, ta parole est parole de vie. Viens mettre en nous la vie. Amen. Au fait, le micro, ça va? Oui, bon, ça va. C'est le moment où il faut demander quand même. Alors, nous voici donc de retour dans ce temple, prêts à entendre la prédication, pour certains en présentiel, pour d'autres sur YouTube. Et voilà que je choisis de vous lire ce chapitre 3 du livre de Jonas. Peut-être est-ce même déplacé de ma part de prendre ce texte vu le contexte actuel et ce que nous avons vécu ces derniers mois. Prendre un texte où Jonas, proclamant la parole de Dieu, annonce la destruction d'une ville. Difficile presque de ne pas se dire que c'est déplacé de choisir ce texte. Mais là, comme la parole de Dieu, de base, nous invite à nous déplacer, nous change, nous choque parfois, eh bien, allons-y franco pour cette reprise. Vous êtes content d'être venu, hein? Ah oui. En tout cas, je pense que cette parole de Jonas est à entendre pour nous aujourd'hui. Peut-être de manière encore plus profonde qu'avant, voire même on a pris conscience que cette parole de Jonas avait du poids. À savoir aussi que cet épisode de la vie de Jonas apparaît juste après son confinement, si on peut appeler ça comme ça, son confinement dans le ventre du poisson. Et la première chose qu'il dit quand il sort du confinement, 40 jours et Ninive sera détruite. Je reviendrai sur ça, mais avant, où est-ce qu'on en est, nous, tous ensemble? Ces dernières semaines, je ne sais pas pour vous, mais j'ai eu comme une étrange impression. À la fois cette impression que la vie reprend son cours, on se balade dans la rue, on voit beaucoup de monde, beaucoup de magasins ont rouvert, certains ont repris la route du travail et de l'école, si ce n'est tout le monde, et en même temps, cette impression que le temps est figé, comme si nous ne savions pas trop comment agir, quoi faire, et que nous attendions de voir comment la situation va tourner. Bien que quand même plus ça va, moins on se pose la question. Et je vous partage mon impression, nous reprenons, un peu quand même, nos habitudes individualistes qui s'étaient pourtant un peu estompées pendant le confinement. En effet, ces trois derniers mois se sont développés des trésors de solidarité, d'entraide, de rencontres, avec nos voisins par exemple. Bien que nous ne devions pas être en contact les uns avec les autres, ces trois derniers mois ont été rythmés par plus de contacts et de liens encore, en cherchant à aider nos voisins ou que sais-je. Et nous étions réellement en compassion avec tous ceux qui ont souffert de cette situation. Pour beaucoup aussi, ça a été l'occasion de découvrir ou de redécouvrir une pratique quotidienne ou hebdomadaire de la prière, de la lecture biblique, retrouver une relation à Dieu dans les choses simples de nos vies. Et si nous allons encore plus loin, il y a eu comme une prise de conscience pour un certain nombre. Quelque chose que nous savions, mais qui nous a pris de court. Une prise de conscience que nous nous sommes prises en pleine figure, en fait. La suractivité humaine a produit quelque chose de terrible pour le monde. Pas seulement pour mon quartier, ma ville ou mon pays, mais pour le monde entier.
Mon discours est certainement un peu politique, hein, de tout ce que je vais vous dire, mais je crois qu'il faut qu'on le soit aujourd'hui, politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire au sens du peuple, au sens de l'organisation des acteurs aujourd'hui. Oui, l'humain a agi et ça a détruit, ça a tué, ça a mis le monde entier en suspens. Déforestation, surconsommation des sols, surexploitation des animaux, surdéplacement et que sais-je. Et tout cela est à l'origine d'un petit organisme qui s'est développé et qui, à ce jour, dans le monde entier, a tué près de 427 000 personnes, dont presque 30 000 en France en l'espace de 4-5 mois. Vous me direz, oui, mais à l'échelle de 7 milliards, c'est pas beaucoup ? Si, ça reste beaucoup. Enfin bref, tout ça pour dire qu'effectivement, un certain nombre ont réalisé que quelque chose clochait dans nos manières d'être dans le monde. Et ça, beaucoup l'avaient déjà dit avant. Peut-être une manière de rejoindre la proclamation de Jonas. Alors je vous rassure, hein, je pointe personne du doigt, ou en tout cas je suis la première à me pointer du doigt hein, dans tout ça. C'est pas vous que je suis en train d'attaquer, hein, je vous rassure. Mais n'avons-nous jamais entendu des personnes nous alerter sur la situation actuelle ? N'avons-nous jamais entendu des personnes nous demander de réfléchir à nos modes de vie ? Et dans notre Église, n'avons-nous jamais entendu parler du respect de la création, de l'amour de Dieu pour le monde qu'il nous demande de proclamer et de vivre au quotidien ? Je crois que ces proclamations qui sont faites depuis plusieurs années nous font entendre cette phrase de Jonas différemment. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 50 ans et on n'aura plus d'eau potable. Encore plusieurs années sans amour de notre prochain et nous ne serons plus le corps du Christ. Ah oui, c'est le moment de la prédication où on se sent bien. Ça va, je ne suis pas en train de trop vous miner quand même. Par contre, quand même, à l'image de Ninive, beaucoup ont décidé pendant le confinement de vivre les choses un peu autrement. Prendre conscience des petits changements qu'on pouvait faire dans nos vies, de ce qui nous semblait essentiel aujourd'hui et de ce dont peut-être on pouvait se passer. Recuisiner, rejardiner, reprendre du temps avec nos familles, reprendre des nouvelles de nos proches plus régulièrement, reprendre le temps de s'en remettre à Dieu, de nous tourner vers lui pour lui faire part de ce qui nous pèse et de ce qui nous porte. À nous de ne pas laisser tout ça se déliter petit à petit comme si on revenait à un avant qui finalement ne peut plus être. Et à prendre métaphoriquement pour aujourd'hui ce récit de Jonas, eh ben nous nous rendons compte que nous pouvons faire un parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui. Attention, nous sommes dans une logique de destruction et ça va nous retomber sur la figure. Mais si nous changeons nos comportements, nos manières d'être au monde, de vivre avec l'autre, alors nous avons une chance que cela change l'avenir. Alors je ne rentrerai pas dans la théologie du Dieu qui punit en pointant du doigt ou qui sauve en pointant du doigt. Je ne crois pas que ce soit ce qui est à entendre avec ce texte. Ce qu'on voit bien dans le texte de Jonas, c'est Dieu qui décide s'il détruit ou pas. Je ne rentrerai pas dans cette théologie-là. En fait, je crois que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait, dans nos vies et dans notre monde, des choses à changer et c'est un projet qui est capital, si ce n'est pas pour dire vital, aujourd'hui. Un projet où dans 100 ans, aucun d'entre nous ne sera là pour recevoir les merci des changements. C'est donc un défi qui nous demande de nous placer dans la gratuité totale aujourd'hui, ce qu'on va vivre, sans en attendre plus, et qui ouvre encore plus la dimension du mot « prochain ». Parce que le prochain, ce n'est pas seulement celui que je croise sur le bord de la route ou au quotidien. Chacun a certes sa définition du prochain, mais de manière générale, nous sommes d'accord pour penser le plus souvent à celui qu'on va croiser dans la rue, qui est assis à côté de moi ou mes proches. Mais le prochain, c'est aussi celui qui sera sur cette même route, sur cette même terre, dans 100 ans. Et nous sommes aussi responsables de lui, même si nous ne serons pas là pour le connaître. C'est notre descendance. Nous leur laissons cet héritage de la terre créée par Dieu, qu'il nous a confié et dont nous devons prendre soin. Ce n'est pas une petite phrase dite comme ça, c'est l'essentiel même de l'Évangile, de la bonne nouvelle que le Christ nous a léguée. Ce monde est entre nos mains pour en faire quelque chose qui serait mis en mouvement par l'amour de Dieu.
C'est une grâce qu'il nous a faite de nous faire locataires de cette terre. Et pour les prochains, les futurs, à nous de leur confier en bon état. De leur confier l'envie d'en prendre soin. C'est aussi une ouverture pour que mon futur prochain puisse grandir dans toutes les dimensions de sa personne. Alors oui, il faut oublier l'idée même de retour sur investissement de notre vivant. Lorsque l'on met un pied dans ce défi d'aujourd'hui qui nous est donné, il faut, d'une façon ou d'une autre, croire. Croire, c'est faire confiance. C'est sans contrôle de notre planète ou de notre prochain. C'est croire aussi en l'action commune, croire au changement, croire tout simplement. Et pour cela, il faut tenir compte que nous ne sommes pas le commencement et nous ne sommes pas la fin non plus, et que le monde ne s'arrête pas après nous. Si on prend les évangiles, on se rend compte qu'il y a cette forme de transmission de génération en génération. Les paroles de Jésus sont certes pour nous aujourd'hui, mais aussi pour ceux de demain. Les paroles de Jésus étaient pour ceux qui étaient avec lui, et elles sont pour nous aujourd'hui. Alors nous voilà ramenés encore une fois face à la parole de Jonas, encore 40 jours et Ninive est détruite. En entendant cette parole, nous aurions tendance tout de suite à nous précipiter directement au changement de comportement pour ne pas disparaître. C'est ce qu'ont fait les Ninivites, hein, et ça a marché. Mais l'étape où toute notre société devra retrousser ses manches est là. Politique, scientifique, transport particulier, tout le monde. Mais se ruer directement et sans préalable sur cette voie, c'est aller trop vite. C'est griller les étapes, en utilisant une parole forte, certes, mais qu'il faut avant tout mûrir. C'est des réflexions, des discussions, c'est ce qu'on vous prévoit l'année prochaine, d'ailleurs, au passage. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose dans le ciel. Vous connaissez ce texte dans l'Ecclésiaste, Ecclésiaste 3. Vous pourrez aller lire, même ceux qui ne croient pas en Dieu connaissent ce texte. Il y a un temps pour tout et pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps... D'ailleurs, c'est un texte qu'on avait vu en vision biblique, en visio biblique ces dernières semaines. Donc il y a un temps pour tout. Évidemment, je ne dis pas qu'il faut garder le même comportement en vous disant qu'il ne faut pas se précipiter. Mais le chemin à parcourir avec ces étapes est tout aussi important. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement 120 000 Ninivites, mais plus de 7 milliards d'êtres humains qui sont appelés à reconsidérer leur style de vie, à penser autrement, et qui se retrouvent solidaires de la vie de l'autre. Une véritable conversion qui commence par une introspection, un sentiment d'impuissance humble et une prière à Dieu. Et dans cette prière naît la foi. Et dans la foi, c'est-à-dire dans le croire, naît l'action, la volonté, l'envie, le désir d'agir. Et c'est le rôle de notre Église que de témoigner qu'il est possible de croire à un après. C'est le rôle de notre Église de témoigner d'une parole qui déculpabilise, cette fameuse parole d'espérance qui ne conduit plus à la peur, mais à un avenir ouvert et qui est rempli de vie. Oui, notre Église est porteuse d'une parole qui déculpabilise pour agir sereinement. Parce que je ne suis pas plus coupable aujourd'hui que le premier homme préhistorique qui a eu l'idée de frotter deux silex entre eux. Sauf qu'aujourd'hui, on est 7 milliards à frotter des silex. C'est la petite différence. À nous de dire que chacun, même s'il n'est que peu responsable de l'état actuel, est responsable d'orienter différemment l'avenir. Une conversion pour la planète dans tout ce qu'elle a de vie humaine, animale, végétale. Et pour cela, il y a un temps pour tout. Alors peut-être est-il venu le temps des grands changements, mais peut-être est-il aussi venu le temps des petits gestes simples qui sont porteurs de vie dans ce monde. Et même si ce geste peut nous paraître au premier abord sans intérêt, minime au vu de tout ce qu'il faudrait faire, il prend sens dans le fait qu'il soit ancré dans un élan pour la vie qui nous vient de Dieu. Tel est le ressort de notre vie, de nos paroles et de nos actions. En fait, ce récit de Jonas face à Ninive, c'est une manière d'illustrer les différentes étapes qui vont nous rendre disponibles à une action que nous n'attendions pas. C'est se laisser aller au croire, et donc dans la confiance se laisser transformer pour prendre soin du don que Dieu nous fait et de notre prochain qui n'est pas encore là. C'est faire tenir et mettre en valeur cette confiance et surtout l'alliance que Dieu a fait avec nous. C'est répondre à son appel
en suivant l'évangile de l'amour au sens large, en prenant soin d'eux. Alors je le crois. Cette espérance qu'il nous est donné de proclamer peut encore nous permettre d'entendre Dieu se tourner vers chacun de nous pour nous ouvrir à un avenir où la peur ne prend pas le dessus, mais où nous avançons pour que la vie gagne. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter quand s'éveilleront nos cœurs.
Alors j'avais choisi ce chant parce que je trouvais qu'il allait bien avec la prédication et tout ça. Et en fait, en le chantant avec vous, je me suis dit que c'était un chant dont on avait peut-être besoin aujourd'hui et qui peut vraiment nous porter. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, hein, au passage, celui-là. Voilà, n'hésitez pas. Alors, quelques annonces. Ça va être assez court, mais... Alors, d'abord, la semaine prochaine, on continue les visios bibliques. Il y en a deux dans la semaine, généralement le mardi à 15h. Et puis là, on est en train de choisir pour la semaine prochaine à 20h30 le soir. Voilà, je vais renvoyer les inscriptions. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est un moment où vraiment, on lit un texte biblique à 12. Et puis, on partage autour de ce texte biblique très simplement sur ce que chacun comprend, entend. C'est des bons moments de partage pour ceux qui y ont été. On a vécu des beaux moments. Pour la sortie du temple, parce que comme on a beaucoup de mesures à tenir, voilà, on va devoir sortir banc par banc en commençant par la fin. Voilà. Et bah, pas encore, on ne peut pas encore se retrouver pour papoter à la sortie ou pour échanger. Ou pour, voilà. On espère que petit à petit les mesures vont s'alléger petit à petit, déjà peut-être cet après-midi, qui sait ? C'est cet après-midi qui prend la parole, non ? Ce soir. Ou l'après-midi, le soir. Donc c'est ce soir qui prend la parole. Peut-être que dimanche prochain, on n'aura plus le plexi. On verra. Enfin, on verra comment ça se passe. Mais on va doucement. On a préféré prendre trop de mesures plutôt que pas assez. Mais on va continuer comme ça. Et puis, il y a bien les cultes. Hein, la semaine prochaine, vous pouvez continuer à vous inscrire pour les prochains cultes si vous le souhaitez. On va tenir ça pour l'instant. On verra comment on va évoluer. Si, ça est toujours pareil avec les annonces du gouvernement, quoi. En fonction. Voilà. Aussi, on a appris, vous avez reçu un mail, mais le décès de Patrice de Bock. Donc, les obsèques avaient lieu vendredi matin. C'était une belle cérémonie aux pompes funèbres, au crématorium des Hunaudières, sur fond d'Elvis Presley, puisque c'était un grand fan d'Elvis Presley. Donc, on a eu du Elvis, et puis des. Voilà. C'était un moment qui était très fort et beaucoup d'émotions. Voilà. Patrice était un paroissien de la paroisse depuis de longues années. Et beaucoup d'entre vous, nous, le connaissions. Voilà. Donc on peut garder la famille de Patrice dans la prière, parce que c'est assez douloureux. Voilà. Est-ce que vous avez des annonces ? Ça va ? Oui. Alors, j'ai une petite blague. Oui, trouvé. Bah oui, ça commençait à me manquer, moi. Je vous ai mis des images dans les cultes pendant tout le confinement, des petites photos humoristiques, mais là, voilà. Alors, voici la blague que je vous propose. C'est un vieux billet de 10 euros et un vieux billet de 100 euros qui se retrouvent au centre de distribution des vieux billets de la Banque de France. Et puis, sur le tapis roulant qui les emmène à la déchiqueteuse, ils discutent de leur vie respective. Et le billet de 100 euros évoque... ces voyages à travers le pays. Oui, moi j'ai eu une assez bonne vie, je suis allée de Nice à Bordeaux, dans les meilleurs restaurants de France, dans les spectacles parisiens, je suis même partie sur une croisière en Méditerranée, enfin vraiment une vie bien remplie et bien riche. Pas mal, t'as vraiment fait du chemin, dit le billet de 10 euros. Ouais, écoute, je suis assez content de la vie que j'ai eue. Et toi alors, t'as été où durant ta vie ? Oh, ben moi, j'ai été à l'église méthodiste, à l'église charismatique, à l'église baptiste, à l'église réformée, à l'église catholique, à l'église luthérienne, etc. Et le billet de 100 euros de répondre, c'est quoi une église ? C'est le moment de l'offrande. Que votre don puisse être généreux et joyeux.
Avant de nous séparer, je vous invite à la prière. Notre Dieu, à l'heure où nous allons chacun reprendre le cours de nos vies, garde nos yeux grands ouverts à ceux qui nous entourent, à la main que nous pouvons tendre, à la parole d'espérance que nous pouvons poser, au sourire de nos yeux qu'on peut offrir, à l'aide que nous pouvons apporter, au petit geste qui peut changer le monde. Aide-nous encore et toujours à ne pas rester insensibles à ce que nous côtoyons, à ne pas rester ou devenir indifférent face à la détresse, car c'est là que tu nous appelles à l'action. Permets de laisser derrière nous ce qui nous pèse, ce qui nous retient, ce qui nous abaisse, ce qui nous abat. Tu connais nos cœurs et les chemins qui nous mènent à la joie de ta présence. Alors permets-nous de les entendre et de les emprunter. Que ces jours, ces semaines qui arrivent soient pour nous source de joie, de rencontres, de partage et de force pour nos vies, malgré toutes les mesures qui nous semblent difficiles à vivre. Répands ta lumière, nous t'en prions, sur tous ceux qui, dans la nuit du doute ou du découragement, te cherchent, sans pouvoir te nommer. Nous souhaitons la paix, Seigneur, la main tendue et ouverte, l'ouverture des portes, l'accueil de l'autre, l'abaissement des murs, le courage d'agir, le réconfort. Alors nous te le demandons, mets en nous la force qu'il nous faut pour réaliser ta parole pour ce monde, pour que nos prières deviennent vraies et incarnées en nous, pour que nous devenions pleinement des amoureux de ce monde. Seigneur, ce matin, nous te remettons particulièrement les familles de Patrice de Bock et de Claudine Mbenzou, la sœur d'Alain. Leur famille qui traverse le deuil en ce moment. Nous pensons particulièrement à Coco Ida, à Nathan, à Hyacinthe, à Jaspe, à Grady et à tout le reste de leur famille. Que tu puisses, Seigneur, continuer à leur donner de la lumière et des bénédictions en ces temps de douleur et de séparation. Que ton amour pour eux soit source de vie. Seigneur, tu es amour, porte-nous à l'offrir. Tu es joie, montre-nous comment la transmettre. Tu es lumière, aide-nous à rayonner. Et ensemble, nous te prions à travers ces mots que ton Fils nous a enseignés pour que nous puissions te prier d'un cœur commun et d'une voix commune. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Allons dès maintenant prendre soin de ce monde par des gestes qui sont ancrés dans notre foi et dans l'amour de Dieu. Alors croyons-le, cette espérance qu'il nous est donnée de proclamer peut encore nous permettre d'entendre Dieu se tourner vers chacun de nous pour nous ouvrir à un avenir où la peur ne prend pas le dessus, mais où nous avançons pour que la vie gagne. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu tourne sa face vers nous pour nous donner paix et amour, joie et espérance, accueil et partage. Que notre vie soit synonyme de bonté et de grâce pour le monde. Allons, avec cette force qui nous est donnée. Amen. Et nous prenons que la grâce de Dieu que nous allons chanter deux fois.